Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Avec notre spécialiste Samir Aloun, bonjour. Bonjour Soraya. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ce logiciel malveillant qui est derrière plusieurs scandales liés à des affaires d'espionnage sur de hauts responsables de plusieurs pays. Une enquête coordonnée de plusieurs médias avait révélé une liste de pas moins de 50 000 noms d'individus susceptibles d'avoir été infectés par le logiciel espion utilisé à de nombreuses reprises par le Maroc. Bah, les techniques de vol d'espionnage se sont peu à peu transformées avec l'avancement technologique, avec la connectivité et les réseaux sociaux, les pratiques malveillantes sont passées au numérique pour profiter de ces nouveaux vecteurs afin de voler le maximum d'informations et de données. Les internautes ont l'habitude de faire face à des tentatives de phishing, de recevoir par exemple des liens malveillants transférés ou envoyés directement sur leur messagerie. En d'autres termes, c'est des logiciels, applications qui ont comme but de voler les identifiants, documents ou autres informations sensibles. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas de simples internautes qui sont visés, mais des membres de gouvernements de plusieurs pays. Le logiciel d'espionnage est aussi connu sous le nom Pegasus. Il est bien évidemment créé par une société sioniste qui prétextait que son utilisation repose essentiellement sur la surveillance. Dans les faits et dans la réalité, il s'agit tout simplement d'une manipulation diabolique pour pouvoir espionner les smartphones, les activités des personnes ciblées, par exemple des opposants au régime sioniste. Le logiciel profite des brèches de sécurité du smartphone pour s'infiltrer et siphonner toute donnée ou localisation, voire même activer le micro ou la caméra du smartphone. Voilà. Un logiciel espion qui se retrouve à maintes fois au cœur des préoccupations, au cœur des polémiques pour son utilisation non-stop par le Maroc, de nombreux scandales qui ont démontré l'utilisation du logiciel Pegasus par le Marzen, où même un simple citoyen marocain est espionné. L'application du Marzen dans l'espionnage et le piratage de téléphones mobiles de plusieurs responsables confirmée par la commission d'enquête du Parlement européen qui a réitéré sa demande à l'Espagne de mener une enquête approfondie sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le Maroc et ce afin de dévoiler la politique sournoise du Marzen qui se résume en trois pratiques distinctes, chantage, trahison et manipulation.